Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Getting the licks in the band. Legacy. Eh bien, salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, où je ferai une sortie avec le Brest Carnat Club, l'association dont je suis le président depuis déjà pas mal d'années. Donc, je voulais vous parler en même temps du Brest Carnat Club. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une association qui fait la promotion de la pêche, hein, de loisirs, et aussi qui sensibilise à la protection des milieux aquatiques. Alors, ce n'est pas une APPMA, hein, une association agréée. Nous, en fait, on est une association, on va dire, assez libre de pêcheurs qui viennent pour différentes choses, soit bah, rencontrer d'autres pêcheurs, essayer des nouvelles techniques. On propose des sorties à thème. On fait aussi de l'organisation d'événements comme des compétitions ou de la braderie de pêche qu'on organise déjà depuis plus de 8 ans. Hein, un événement connu par beaucoup de pêcheurs dans la région de Bretagne. Voilà, donc je voulais juste vous dire un petit mot là-dessus. Hein. C'est une association qui compte à peu près une quarantaine de membres. On se retrouve donc de temps en temps pour faire des sorties ensemble. Voilà. Alors là, on était sur un lac qu'on ne connaissait pas, je n'y avais jamais été. Hein, donc on voit bien, puisque pour la mise à l'eau, ça a été plus compliqué que prévu, puisqu'on ne connaissait pas trop le niveau. Et voilà, mais bon, dans l'ensemble, on s'en est pas mal sorti pour, on va dire, une découverte. Voilà. Donc nous, on essaye, à travers nos sorties, de découvrir justement plusieurs plans d'eau en Ille-et-Vilaine et ailleurs, hein, un peu sur toute la Bretagne. Et en même temps, de les mettre en valeur aussi, puisqu'il y a du travail des APPMA derrière quand même. Donc il faut rendre justice hein, aux APPMA et à notre fédération qui fait du travail assez bon en Ille-et-Vilaine comparé à ailleurs. Je ne veux pas jeter de cailloux, mais moi je trouve que le travail est bien fait, tant au niveau de la promotion de la pêche qu'au niveau des projets, notamment pour la restauration des milieux. Voilà. Allez, c'est parti, on va à la pêche. Let's go. Ouais, il n'y a pas une rayure, il est nickel propre. Attention. Oh putain. Ouais, salut Marvin, ça va? Ça va et toi? Ouais, mise à l'eau difficile. Guerre facile, je sais pas, on verra. Non, c'est beau, c'est un brochet. Ouais. Vas-y, vas-y, ne loupe pas, parce qu'on plombe pas le. Allez, yeah! Ah, super! Tiens, ah. Mec! Putain! Ah ouais! Tu vois, il y a eu la petite chasse et puis. Nickel. Ouais. Je vais choper mon téléphone, je vais prendre en photo pendant qu'il est calme. Tiens, tu peux tenir les puzettes encore un peu? Vu que je sais qu'ils s'énervent comme des tarés d'un coup, des fois, des plus fait 15 000 euros. Et là, il est vraiment piqué. Ouais, en dessous, justement. Ouais, un peu nerveux. Bah, donc, au début, c'était harponné, mais. Voilà. Attends. Il est crochet. Attends, bouge pas, je vais décrocher le plomb poil. Ouais. Ça c'est sec. Les épuisettes c'est bien là. Putain. Voilà. Ça va, maintenant il est avec les mailles du fond. Ouais ouais. Bah, l'autre jour je voyais le mec pendant le YouTube. Bon, je mets les hameçons de merde, tu vois, elle est un peu ouverte. Parce que bon, t'en perds tellement du plomb poil que des fois. Tiens, attends, on va le remettre un peu dans l'eau. Je vais sortir la mesurette. Côté, là. Oh, là. Ouais, il est râpé. Mais je pense que le poisson qui était sur le fond, c'est sûr. Tiens, enlève l'épuisette un petit peu. Ouais. Ça serait mieux dans ce sens-là. Tiens, tu veux prendre l'appareil photo? Là? Enfin, l'appareil photo, le téléphone. Ouais. Je peux prendre l'épuisette.
Voilà, c'est bon. Et tiens. Voilà. Tiens, tu tiens ça. On va filmer le release. J'ai l'autre caméra d'allumer, mais bon. Je pense que je vais le larguer vite fait, comme ça. Allez, il va repartir. Voilà, allez. Pendant ce temps-là, les copains n'ont pas chômé, car ils ont trouvé un banc de jolies perches. C'est un de manger, il a plus de force, on ramène, hein. L'épuisé. On va se régaler. Comme souvent en Bretagne, pendant le repas, on va passer de l'été à l'automne. Ah ouais, mais maintenant, on va faire des Lui c'est le même, ouais. Là, c'est un broc, c'est un broc. Ouais. Il est au bord. Il est au bord, il est au bord. Écoute, j'essaie de comprendre tout ça. Ouais. Putain, impeccable. Il est un peu plus petit que je pense. Ouais. Ouais, attends. Ouais, il est vert. Tu peux sortir là. Attends, il est là. Ouais. Il est plus là, mais bon, je pense qu'elle est plus petite. Par contre, elle a belle couleur. Hein, ouais. Putain. Tiens, vas-y, mets-le tout seul là. Je pense que. Ah, mes doigts, putain, enculé. Ah, parce que moi je saigne rapidement des doigts. T'as étale là-bas, s'il te plaît. Comme ça. Ouais, c'est 60. Ah, et ben il m'a bien défoncé les doigts celui-là. Il fait 60. Bon, on va pompalétiser, je pense, la zone. Voilà, allez, file. Qui salaud, va. Putain. Et oui, aujourd'hui, sortie club pour le Brest Carnat. On était 6 à être venus se frotter à ce plan d'eau. Donc on voulait voir un peu le potentiel, c'est pas trop mal, malheureusement ça manque un peu de parking, comme les camping-cars étaient garés sur les places de parking ce matin, ça n'a pas toujours été évident de trouver de la place pour se garer. Voilà, la mise à l'eau pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau là en ce moment, mais bon on y est arrivé quand même. Allez, tchuss.